À l'initiative du gouvernement ivoirien, une police spécialisée dans la sécurisation des campus universitaires a été mise en place l'année dernière. Le campus 2 de l'université Alassane Ouattara vient d'abriter la présentation officielle de cette police universitaire. Force multidimensionnelle, la police universitaire est chargée non seulement du maintien de l'ordre, de la prévention des conflits, mais également de veiller à la sécurité des personnes et des biens sur l'espace universitaire. Par ailleurs, elle doit œuvrer à la prévention de la salubrité et à l'entretien des espaces verts. Le directeur général adjoint de la police universitaire, Yeo Amédé, rassure que cette police vient répondre aux besoins du monde universitaire. Elle n'ira pas contre les règles de la franchise de l'espace universitaire, a-t-il indiqué. La police universitaire de Côte d'Ivoire est une structure composée de jeunes Ivoiriens, âgés de 18 à 35 ans, et qui ont au minimum obtenu le baccalauréat. La police universitaire n'est pas une police armée. Et lorsque nous constatons un débordement que nous ne pouvons pas canaliser ou que nous n'avons pas pu maîtriser par la sensibilisation, nous faisons appel directement à la police nationale ou à la gendarmerie afin de pouvoir gérer la situation. Les étudiants saluent l'avènement de la police universitaire, mais souhaitent qu'elle ne se dérobe aux objectifs de sa création. Les éléments de la police universitaire proviennent d'une société privée qui fait des prestations sur les campus universitaires du pays. La police universitaire de Côte d'Ivoire compte plus de 400 agents, dont une centaine déployés sur les campus universitaires de Boaké.